Allez, c'est parti, premier test avec mon pote Yacine qui va essayer le petit Viper avec le petit KK125 que vous connaissez tous. Alors c'est pareil, hein, vous attendez pas à des hautes performances en race parce que c'est une de ses premières fois aussi. Yacine généralement fait du freestyle en mode débutant. Alors je veux pas te perturber, mais quand tu le sens, tu donnes tes impressions, que ce soit au niveau du confort ou au niveau de la visibilité, de l'image. Alors le confort, pour l'instant je suis beaucoup plus à l'aise qu'avec un max que traditionnel. Toi tu as à la base le Ishin Google 2, le gros. Oui. Ouais. Donc t'es plus à l'aise avec ce masque là, ouais, qu'avec ton gros masque. La profondeur de l'image permet de mieux gérer, je trouve. D'accord. On n'a pas ce que je te disais avec le nez qui peut se retrouver. Hop là. T'as pas la pression sur le nez? Non. C'est ça? Ça, et puis j'ai pas non plus la gêne du nez en fait qui revient dans le champ de vision en fait. D'accord. Ah oui, tu me disais avec le Google 2. Ouais. C'est plus ce côté-là. Donc le confort, tu valides? Confort, je valide, là il n'y a aucun problème. L'image elle est super super nette, aucune perte de qualité. Ouais, et quand tu passes derrière les arbres? Nickel. C'est vrai, t'as pas de lag, t'as pas de glitch. Hop là. C'est pas évident. Ah non, c'est super dur, hein. C'est ta première, en plus je te parle, c'est chiant. Non mais c'est pas ça, mais en plus je suis en. Là je suis en horizon, hein. Je suis pas en mode accro. Ouais ouais ouais. Je vais essayer l'accro. Vitesse 2 déjà. Vas-y tranquillement. Donc toujours à l'aise niveau confort. Ouais franchement ouais. Donc aucune perte, hein, ouais je m'en doutais. On fera un petit test de distance tout à l'heure. Mais j'ai remarqué ouais, qu'il avait vraiment une super bonne réception. Alors toi aussi t'as tendance à tourner la tête quand tu bouges. Ouais. Ouais, ouais mais moi aussi je suis un peu comme ça. En tout cas il est beau hein. On a un beau design. Mais non franchement pour avoir vu l'image dans mon autre masque. Donc à choisir, attends faut que je me rapproche parce que j'ai le micro. Ouais. À choisir pour toi entre 120 euros à peu près, c'était ça, hein, 110-120 euros pour le Google 2 oui. Et 150 euros dans celui-là. Bah vaut mieux rajouter 30 euros et prendre celui-là. Ouais il n'y a pas photo. On est d'accord. Hein. Bon, je crois que j'ai la batterie qui commence à fatiguer. Ouais, ça commence à biper un peu. Ouais, t'as fait quelques tours quand même. Hein. Ouais. On va aller se poser. Ça marche. Bon, j'espère que le petit circuit vous plaira, les amis. Comme je vous le disais, j'ai commandé, j'ai fait faire. Ah, t'y es presque. Tu navigues. Alors. Marche bien hein, ce petit KNK125. Au pire, t'es pas loin. Hein. Ouais. T'es pas obligé de te poser sur le tapis, hein, grand. Ouais. T'as raté le H, mais t'es quand même pas loin. Hein. On va couper le DVR. Tac. Donc oui, je vous disais, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai reçu pour l'instant les deux drapeaux, les deux flags que j'avais fait faire. Donc un avec YouTube sur la droite, l'autre avec les Tazou là-bas. Donc petit clin d'œil bien sûr à Culture FPV, à FPV Passion. On n'est pas partenaire, mais on est potes, on est copains depuis un sacré bout de temps. Et puis le dernier là-bas, c'est un petit Leza qui vient de chez Hobby Inc. Normalement, je vais recevoir aussi une petite gate de chez eux. Donc et puis les petits plots, voilà, que j'ai commandé aussi. Je sais plus trop où, je vous le dirai certainement. Donc j'espère que le petit parcours vous plaira, vous l'avez vu, on fait le tour des trois flags, on fait un tour complet sur l'autre. Ici on a des plots rouges parce que j'ai plus assez de plots blancs pour montrer le décollage parce qu'on passe au-dessus des arbres et on récupère derrière le circuit pour revenir autour de la manche à air, et etc, etc. C'est notre premier petit parcours FPV avec Yacine. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben au moins ça donne un parcours à suivre, donc on n'est pas en vol libre à pas savoir quoi faire. Ouais, ça change un petit peu. Ça change un peu. Et puis c'est chaud, non? Et c'est dur de rester proche du sol. Ouais, c'est chaud patate. Suivre, enfin, c'est... Allez, bah, je vais essayer, moi je vais tester le masque. Donc bah, j'ai branché le 200 GT, je vais faire une recherche automatique. Normalement, c'est assez rapide. Tac, A7, c'est parti, je suis dedans, je lance le DVR. Donc un appui court sur le dessus, c'est parti, ça enregistre. Alors, je n'enlève pas mes lunettes, quel bonheur. Hop.
Donc voilà, je suis en plein écran, je suis parfait, c'est propre, le ciel est magnifique. C'est super beau. Eh, c'est vrai que c'est super beau. Hein. C'est mon premier test en extérieur réel avec une bonne petite cam. J'avais testé que en indoor. Donc mode accro, préarmement, armement. C'est parti pour un premier petit tour de circuit en mode cool. Et on récupère le circuit, ouais, il est bien tracé. Parti un peu loin. J'ai encore du mal sur les gros arrondis. C'est dur pour rigoler. Alors moi, ce que j'aime, je crois que tu te rapproches un peu peut-être qu'on m'entend. Ouais. Alors ce que j'aime pour l'avenir, vous verrez certainement dans les vidéos, et je pense que t'aimeras aussi Yacine, c'est que je mélangerai bien le race avec le freestyle, c'est-à-dire un circuit de race, oui pourquoi pas, mais avec des petits passages freestyle comme ça où on utilise un petit peu le décor. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors j'ai changé les hélices hein, sur le 200 GT et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pertes. Alors bien sûr j'aurais besoin de mon ami Pablo pour les réglages. Parce que je suis encore pas un fortiche en réglage de PID. Bah alors par rapport au simulateur. Oh la vache. Ah, oh, puis ce petit 200 GT, hein, franchement, quel kiff. Hein. Alors, ça donne quoi vu de l'extérieur? Alors, et beaucoup d'accélération, coupure, accélération, coupure. Ça remet bien les gaz. Ça a l'air hyper habile, comme une drone. Ouais, il est super propre celui-là. Et en même temps péchu. Et l'avantage de celui-là aussi, c'est que il consomme pas énormément. Ah, c'est sympa l'approche du sol. Yes, alors je vais faire un petit test de distance, tiens, je vais aller au bout du champ. Vas-y. On va se rendre compte de ce que ça donne. En balade, tranquille, en rase-motte. Donc là j'y suis, là, je suis arrivé aux drapeaux qui sont au bord de la route, donc je suis à un peu plus de 200 mètres, je suis au-dessus de la route. Donc non seulement j'ai toujours la réception avec ma radio, mais en plus j'ai vraiment très peu de glitch. Vous le verrez sur le DVR, je n'ai rien, ah, j'ai vraiment à peine, j'ai quelques parasites. Là peut-être en passant derrière l'arbre qui est là, j'ai un autre parcours FPV en fait là. Carrément, hey, mais c'est génial, vraiment très peu de pertes. Comme je vous le disais, il a vraiment une réception de taré. C'est impressionnant, pourtant il a que deux petites antennes en linéaire. Voilà. Allez, je vais essayer de capter ta petite figure au-dessus des arbres. You're living just me.
en plein kiff. Ah génial, génial, je surkiffe. Donc les Tazou, hop, petite dédicace à vous les Tazou. Allez, je vais me poser, je suis à 14-2, j'ai encore un peu de temps. Mais on va y aller tranquillou. Alors faudrait que je me pose en nous voyant, ça serait être sympa. Ouais. Alors j'ai pas beaucoup d'angle. Salut le drone. Logiquement ça devrait le faire. Si je viens comme ça. Ah t'es pas mal. Juste à côté. Je suis pas loin. Moi je nous vois pas. Mince. Je coupe le DVA. Tac. Yes. Sensation excellente. Sensation excellente. Dédicace à toi mon Pablo, merci beaucoup de m'avoir donné envie de faire ça. Et franchement, ben voilà, on n'a pas encore les gates, on n'a pas encore tout. Mais ne serait-ce que ça, 2-3 petits drapeaux, même chez vous, fabriquez-vous des drapeaux, c'est franchement le kiff. Ça évite de faire du n'importe quoi, puis surtout de pas savoir quoi faire, même si on y va tout doucement. Même toi, t'as vu, ouais, ouais. Si tu y vas tranquille, c'est vraiment sympa. Allez, on va s'en tester d'autres. On va arrêter de parler. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Sur le c'est un achat, je pense, indispensable pour ceux qui veulent mettre trop cher en budget. Et puis ceux qui portent des lunettes. Et ceux qui portent des lunettes, ouais, après moi j'ai pas ça. L'indispensabilité, il est grand ce mot, elle est surtout là. Les gens qui doivent porter des lunettes en constant, qui ont une bonne correction, qui ont une grosse correction, bah ça change la vie quoi. Intéressant aussi de tester vite fait en extérieur sans le sunshade, voir ce que ça va donner. Mais moi j'ai testé vite fait hier en extérieur, ouais. et c'est propre. Et c'est propre aussi. Ouais. Après on peut être gêné par ce qu'il y a autour, mais ça peut aussi permettre de pouvoir garder le contact, discuter avec des gens. Faire autrement tout simplement, mieux qu'avec un écran posé sur la radio par exemple, oui. Beaucoup mieux. Bim, j'ai mis les Fat Shark à mon petit pote Yacine qui voulait tester, qui avait envie, et bah ça tombe bien parce qu'il vient juste de quitter le FXT Viper. Alors tout de suite, avant de décoller, ouais. Donne-moi tes impressions sur les Fat Shark. Écoute, ça a à peu près le même rendu je dirais. Ouais. Toujours cet effet de profondeur. Ouais, alors je précise que toi, t'as aucun problème de vue. Non. Donc, on n'a pas ce problème des lunettes ou des lentilles à rajouter ou autre, déjà. Voilà. Donc. Mais, on sait que les lentilles sont collées à l'œil, enfin, juste devant. Ouais. Mais on a la même profondeur qu'avec le masque. C'est ça. Comme je disais, on a l'impression que le masque, il est par là, à peu près. Voilà. Elle est là, l'écran est par là, ouais. À peu près. Maintenant, niveau contraste, je dirais que les bleus, bon, un petit peu moins bleus, à voir. Ouais. Peut-être niveau couleur, après en volant on verra. Ouais, tes impressions de rendu couleur par rapport au masque quoi, que tu viens de tester. Je trouve que le masque est mieux. Au niveau du rendu de l'image, ouais. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Après c'est réglable, hein. Il y a aussi un menu, ouais. Dans les lunettes, mais là je suis en auto comme j'étais dans le masque. Hein. Voilà, donc là pour l'instant je mets un petit plus au masque quand même. Au niveau du rendu visuel. Du rendu visuel. Et au niveau du confort, t'es bien ? Confort, bah forcément c'est léger. Hein. Ouais, forcément. Voilà. On a la tête un peu plus légère, donc c'est vrai qu'on le sent moins sur les yeux. Mm-hmm. Après, j'ai la même sensation avec la profondeur, donc... Ouais, on a à peu près le même rendu visuel au niveau de la taille de l'écran par rapport à que ce soit le masque ou les Fat Shark, ouais. Ça va, c'est marrant, hein. Ça va. Il y a que les Fat Shark, je crois que c'était les HD2 que m'avait fait essayer Pablo, où là, t'as un écran vraiment beaucoup plus proche, beaucoup plus grand, et moi, j'étais pas à l'aise dedans. J'avais un effet de flou que je n'ai pas avec celle-là. I feel again, we're bringing this back.
we never quite could forget, 'cause what we got so intense. Super petite session avec mon pote Yacine, on remballe. Faut que je vous parle d'un truc. À quoi ça sert? Qu'est-ce ça que c'est? Ben vous savez, j'ai des problèmes de dos. Donc la dernière fois, en ramassant les plots avec Pablo, je me suis fait mal. C'est assez voilà, c'est fatigant. Donc voilà, avec des riselants bien tendus, un espèce de petit montage que je devrais faire breveter, ça me permet de ramasser mes plots sans me baisser. C'est pas beau ça? Je peux même en enchaîner deux ou trois. Et sur le système des boules de pétanque, là, donc, Bon, on a bien kiffé. Alors, résultat des courses. Parce que Yacine a testé les Fat Shark aussi, les Attitudes V4, et moi aussi, avec le même drone et la même caméra, et ben sans vouloir être méchant avec les Fat Shark, il a fallu faire pas mal de réglages niveau luminosité, contraste, etc. Pour avoir un écran aussi propre que sur le FXT Viper. Donc ben, ça ne fait que confirmer ce que je pense. Ce petit masque est vraiment, vraiment, vraiment super sympa. J'ai hâte de voir leur prochain parce que celui-ci était vraiment, est vraiment correct. Et je dis pas que je vais abandonner les Fat Shark, c'est clair, mais par contre je pense que ce masque là sera certainement celui que j'utiliserai le plus souvent. Voilà, puis Yacine est d'accord avec moi, ça se confirme. Bouge pas, non, bouge pas. Voilà, donc hop, je suis super satisfait du FXT Viper, même si j'ai l'air ridicule. Franchement, très très bon achat. Là, je vais vous le recommander à 100%. C'est un gros gros coup de cœur. Pour moi, c'est un best-of. C'est une grosse innovation. Il y aura certainement mieux à l'avenir. Je ne dis pas que c'est mieux que les Fat Shark. Je ne dis pas que c'est mieux que tel ou tel produit. Mais c'est vraiment hyper innovant. Et encore une fois, pour ceux qui portent des lunettes ou ceux qui veulent travailler un peu sur PC avec un écran en direct et pouvoir faire d'autres choses en même temps, c'est vraiment le bon compromis quoi. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi, portez-vous bien, faites-vous votre propre idée par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, soyez pas influencés par ce que je vous dis, mais croyez-moi, c'est vraiment une tuerie ce petit appareil, même avec ses 2-3 petits défauts. En attendant, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. À bientôt mon Yacine. À bientôt.